Ah, t'en es vachement sur le côté, mais t'as plus au milieu. Ah, c'est bien. Le mec qui veut imposer sa place sur ma vidéo, quoi. Ouais. Presque tu vas me dégager, non? Ah, c'est ça. Juju, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu me laisses faire mon intro? Tu me respectes? Mais dis-moi, j'ai même pas fait mon intro. Fais ton intro. Attends, je finis, tu sais, ma pastille. Allez, finis, tu sais. L'opaïne. On a rien compris. T'as pété? T'aimes bien ça, les blagues comme ça? Pété, Annie. Pipi caca, salut les petits chats, c'est Juju Fit Cat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube en compagnie de... Squeezie. Au secours. Thibaut. Donc de monsieur Thibaut, on va regarder mes photos d'ado. Parce qu'on avait fait les photos d'enfance sur ma chaîne ainsi que sur la chaîne de Thibaut. On a enchaîné avec les photos d'ado de Thibaut. Et je dois dire qu'on s'est bien marré. Et du coup, monsieur a voulu qu'on se moque un petit peu de moi aussi. Sinon c'est pas drôle, il faut rétablir l'équilibre. Exactement, chacun son tour. Donc j'ai ressorti mon vieux disque dur. Et franchement, ça vaut le détour. C'est vrai, est-ce qu'il y a du gros dossier? Il y a du gros dossier. J'ai hâte de voir ça. Alors on est parti. Faut savoir que c'est une face cachée de ma vie que Thibaut ne connaît pas. Il est beau ton fond d'écran? Oui, très joli. C'est qui ce mec? Il est vachement tanké. Regarde ses stries. C'est pas possible, hein. Je suis bon. Pire, tu veux que je te laisse tout seul devant la caméra et puis tu fais une vidéo ma shape et je la publie sur ma chaîne? Ouais. Je fais une vidéo. Inspiration. Je fais une vidéo, j'appelle moi. Première photo. Oh, cette tête de bisu, quoi. T'as les ronds de lunettes aussi gros que les ronds de nez. Non, mais au secours, arrête, mais vous, c'était mon complexe, les lunettes, quand j'étais enfant. Parce que j'ai eu des lunettes à l'âge de 3 ans, personne en avait, moi j'avais un bandeau de pirate sur les yeux, et tout le monde se foutait de moi, et ma mère, elle m'a dit, si les gens se moquent de toi, tu leur dis, tes parents, ils ont des lunettes, et s'ils te disent oui, tu leur dis, bah eux aussi, ils sont moches. Et en fait, je portais cette tenue. C'est parce qu'on faisait un spectacle de fin d'année à l'école et on chantait une chanson sur les sardines. Chacun ses spectacles. Hein. On n'a pas eu la même enfance. Donc là, c'était étudiant, c'est quoi là? J'aurais bien envie de te dire que j'étais en train de faire comme ça, tu sais, punch, punch, punch. Un booty check. Ah, mais oui, c'est ça. Le twerk est venu d'ici. Ah. Parce que je suis une grande fan de twerk, les petits chats. Oh oui. C'est avec ma meilleure amie, on était fan de faire des spectacles de danse à nos parents le soir. Et on passait la journée du samedi ou du dimanche à répéter des chorés et tout. Et le soir, on faisait un spectacle à nos parents. D'accord. Ils ont subi ça pendant peut-être 3-4 ans à raison d'un spectacle d'une heure tous les samedis soirs. Oh non, les pauvres parents qui doivent dire aux gosses, c'est bien, c'est trop bien. Alors ça, c'était au ski. Ah bon? Non. Je crois que c'était à la plage, moi, au Bahamas. Ah, ma grande période équitation. C'est une mise en place parfaite. Ah, c'était le début des photos HD là, non? Oh, tu critiques pas la qualité de la photo de mon papa? Non mais attends, papa, t'as vu ça? Il te critique. Ah. Oula. On notera quand même mon goût sûr pour le maquillage de la plus jeune époque. C'était à Noël, c'est ça? Non, ah. Bibou, c'était Halloween. Ah. J'avais fait ça toute seule, je tiens à le dire. Ah bah. En fait, tu me diras, je sais pas si c'est mieux de le dire ou pas. L'inverse m'aurait surpris. Ouh, le début des bagues. Oui, là c'est l'entrée. Ah, les Diddle. Bah bien sûr. Hey. C'était la mode Diddle. Moi aussi, ouais. Ouais, en 6ème, si c'était encore la mode Diddle. On peut apercevoir que j'ai mis un soutif. Hein. Faut savoir que j'avais encore même pas de seins, j'avais même pas des boutons de moustiques à cette époque-là. C'était compliqué de dire à tes parents que tu veux acheter un soutif ou pas la première fois? C'est pas facile, hein. Mais moi, ma mère, c'est bien, c'est qu'elle est prévoyante, tu sais. C'est elle qui amorce ce genre de débat. Ah, tu vois, ouais. Ma mère m'a dit, ma chérie, tu veux qu'on achète une petite brassière? Ma chérie, tu veux acheter un string? Au secours. Oh là. On part sur les prises de masse. Ah là, on part sur du pain au lait avec du banania. Ah non, c'est du pain au chocolat, dites-vous. C'est une chocolatine? Un pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Dites-moi dans les commentaires, les petits chats, c'est un pain au chocolat ou une chocolatine? Bon. Ça, c'est la tête du matin, en mode papa, me saoule pas, je suis en train de manger, laisse-moi tranquille. T'as toujours la même tête le matin, je te rassure. Et... les gens, le matin, se réveillent, elle est comme ça. J'arrête pas de dire que quand je me réveille le matin, je suis toute gonflée. En même temps, si j'ai emmagasiné tout l'air dans ma bouche, quoi. Et après. Ah! Oula! On part sur un style Britney Spears. Ah, ah mais c'est ça. C'était ma grande période. Ouais, on mettrait la vraie chanson parce qu'on n'y était pas trop. Hein. C'est un poster de quoi derrière? C'est un poster de cheval. Ah, mais j'avais que ça dans toute ma chambre. D'accord, d'accord, t'es le genre de meuf qui avait une photo profil cheval. Non, mais je suis le genre de meuf qui avait des blocs sur ses chevaux. Oh. En écrivant comme une besta sista, tu sais. Ah, oui. Avec des triple I, des 3 à la place des E, des 0 à la place des O. Est-ce que tu faisais des ronds ou tu des I? Je faisais des petits cœurs. Ah, oui. Besta sista forever. Oh, là. Ah! Oula! Eh! Ah. Les débuts de mon posing bikini pour la compétition. On part sur du Shakira là. Non, mais attends, j'avais quand même les abdos, regarde. Franchement, zoom un peu là. Zoom encore. Zoom. Mais arrête. Oula, peut-être un abdal. Hey, ça va pour une petite fille de 11-12 ans? Ah, c'est toi? Oui. Il s'est passé quoi aux cheveux là? Je me suis mise une pince avec des cheveux blonds dans les cheveux. Mon dieu. C'était un direct du Brésil là.
On part sur des vacances petit budget. Oh, l'un des premiers téléphones. Eh, c'est avec ça que ça a commencé. Oui, exactement, que tu ouvres comme ça, que tu coulisses comme ça. J'avais ça et qui était un petit peu tactile déjà sur les premières touches, tu sais. Oui. Il y avait les premiers écrans tactiles. C'est qui lui? Mon amoureux de l'époque. Non mais c'est bon, j'encaisse. Non, c'est toi le seul, Evini. Non mais c'est bon, putain. Je pensais que j'étais le seul. Non mais tu te doutes bien qu'il a fallu qu'il y en ait avant toi quand même, avant que je trouve le bon. C'est un compliment quelque part. C'est que j'étais partie en vacances en club et il y avait des animateurs et moi j'étais en mode trop fan de cet animateur là. Il a vu genre 6 ans plus que et moi. Et toi tu vas pas envoyer un texto? Mais tu crois qu'il m'aurait répondu? Non mais Ah bah voilà, ok super. Tu m'attends. J'ai une vie avant toi quand même accessoirement. Hein. Non. Si. Arrête de dire des bêtises. Ah, on part sur une embrouille. On part sur un clash. Rap Contenders. Eh. Oh là, on part sur sauver Willy là. Eh oh, oh. N'importe quoi. On part sur un début de huc. Là, un début de boule. Bonne génétique, boule en tout cas. Au secours. Ah. Ah. On part sur une première cuite. Non mais. Ah, c'est du sirop, non? Attends, c'est pas du sirop de canne? Au moins, ça montrera que je ne buvais pas quand j'avais 14-15 ans. Et clairement, je ne savais pas ce que c'était apparemment de l'alcool. Vu que j'ai pris du canadou pour de l'alcool, je pense qu'à ce niveau-là, franchement, faut revoir ses basiques. Ah, donc là, c'est après le canadou. C'est la chambre dans laquelle je dormais quand j'étais petite, ma chambre d'ado. Et en fait, j'avais accès à mon toit par ma chambre. Ah. Et du coup, je venais souvent avec mes copines, on se posait sur le toit et on discutait sur mon toit le soir quand il faisait frais l'été et tout, c'était trop cool. Est-ce que vous écoutiez la musique toi, toi, mon toit, toi, toi, mon tout, mon toit? Pas du tout. Ah oula, maquillée hein, non? Non, moi tous les jours. Ah d'accord, avec toi c'est un peu toujours Halloween. Ouais, c'est... Normalement il y a des mecs qui diraient avec toi c'est tous les jours la Saint-Valentin, mon amour. Non, non, moi mon mec me dit avec toi c'est tous les jours Halloween. Ok. On dirait un peu un cheval, tu en mets deux photos à côté. C'est vrai que si on met un cheval qui fait la grimace à côté, ça donne la même tête. Je te dérange pas? Mais j'aide pas tes niqués sur mon ordi. Putain mais vivez avec Thibaut. Il y en a plein qui m'arrêtent à ta place. Non, personne. Personne n'a appris à avoir la vue. Personne n'a appris à savoir le... Oui, vas-y, ça va venir. Personne n'a appris à savoir... Personne n'a appris à avoir passé un an avec moi. Je sais pas. On passe à la suite? Ouais, voilà. Oula, on part sur la Statue de la Liberté. Quand ça va? Trop pas qu'il y a un délire? Eh, franchement, tu mets ta photo et la Statue de la Liberté à côté, on a la même. Je sais pas toi. Ah, putain, mais tellement. Putain, la Statue de la Liberté, en fait, c'est moi. Peut-être pas. Noël. Ça tu me dis c'est la tête de tous les jours ça. Mon dieu. Comment l'humain peut faire une tête aussi horrible? On part sur un masque. T'avais un masque là, non c'est ça? T'avais acheté un masque avant. Rassure-moi. Ah putain, c'est hardcore. Ça, ça va envoyer les screenshots hein. Ah je vais prendre trop cher sur les réseaux. Ok, donc dans la série des sales gueules on est... on peut la... Ah mais comment c'est sorti du cœur? De la série des sales gueules il m'a dit. Mais au secours. Non mais attends, on voit tous mes galops d'ailleurs. Derrière moi je suis quand même fière de moi. T'as combien de galops au cheval? Galop 5. Ah. C'était aussi l'époque où on s'écrivait sur les bras. Oui, et on écrivait les trucs de nos potes et tout, avec des petits cœurs, machin. Moi, je rentrais à la maison le soir, j'avais plein de filles qui m'avaient écrit sur les bras et tout là. Thibaut, je t'aime et tout, partout. Ah, mais je crois qu'on va être deux à encaisser cette vidéo en fait. Comment ça, plein de filles qui t'écrivaient je t'aime? On s'aimait bien, enfin, on s'aimait en amis, c'est des amis, des amis filles, je t'aime en amitié. Donc là, t'avais su, c'est un schtroumpf. Non, c'est pas ça. C'était le grand schtroumpf ou le schtroumpf heureux? Ah non, j'ai mal au ventre. Oh non. Alors là, c'était après la prison? Voilà, non, ça c'était avec mes potes quand on se faisait des délires... Dollars. Des délires prison. Délire... C'est sympa vos délires entre potes. On n'a pas les mêmes délires hein, par contre. Hein. Et si on s'envoyait des photos de nous comme si on était en prison? Ah ouais, c'est une bonne idée. Je serais le numéro 3490. Ah, j'en peux plus, putain. Ah. J'ai pas envie de dire ce que j'ai envie de dire. Je ne dirai pas ce que j'ai envie de dire, mais je le pense fortement. Mes folles années avec mon petit Pacha. Pacha, il s'appelait Pacha. Ouais, il s'appelait Pacha. J'ai fait 2 ans de concours avec lui. On gagnait tout. Il y a combien de grammes de prot dans le cheval? Mais t'es sérieux, toi? Ah, on part sur une bonne PDM là. Non, mais c'est après la... Mais j'ai des gueules quand je mange, c'est horrible. Pourquoi personne me dit que je suis aussi laide? T'es. Putain, mais je fais peur quoi. C'est pas laid, c'est. Non, mais je fais peur, littéralement. Tu sais le jeu Rock Band, Guitar Hero et tout? C'est pas SingStar. J'avais Rock Band. Et du coup, t'as un micro, une batterie, une guitare et tout ça. Et en fait, on avait pris tout le matériel de Rock Band. On avait fait des photos comme ça, où on était chacune soit en chanteuse, soit en batteuse et tout. Et on avait fait des montages photos après pour créer un groupe de rock. Donc là, tu vois, j'étais en chanteuse. Après, j'étais en casseuse de guitare. J'ai un dos quand même, hein. Ah oui, t'as un dos.
c'est un non mais regarde. Ah, voilà, ça c'était dans le groupe Intello. Ah bah ça se voit. J'étais en mode batteuse. Je vais te montrer, après on a fait les groupes de rock. Ah. T'as vu un peu les montages photos? C'était ma pote Léa qui gérait les Photoshop. Et du coup en fait elle mettait toutes nos photos de nous les unes sur les autres et ça créait des groupes. Trop drôle. Là je t'habille en cowgirl. En cowgirl. En cowgirl. Yeah cowboy. Yeehaw. Il manque que le cheval. J'imagine trop une scène où je serais assise sur toi en train de faire comme ça. Ah ouais bah dans tes rêves. Oh, tu fais bien le cheval. Ah, on dirait pas un... Michael Jackson. Non. On part sur... Michael Jackson n'est pas mort, on l'a retrouvé. Ah. Pas mal la photo, très jolie ouais. J'étais en seconde ou première là je crois. Tu commences à sourire là. Je vais avoir 16-17, ouais sur cette photo, bah tu vois. Je pense que tu penses à moi. Oui, ça doit être ça. C'est sûr. Oh, c'est mon bébé Ben. Ah ouais. Regarde-moi ce bébé, ça c'était la mascotte de nos soirées Ben. Je l'ai depuis que je suis en seconde, je crois à peu près. Il y a combien de grammes de prot dans un chat? Mais t'arrêtes. Tu mangeras jamais Ben. Là, j'avais 17 ans. D'accord. Halloween. Non, photo de classe. Ah. Ouais, encore. Photo de classe et le thème c'était les styles musicaux. Ok. Et du coup, avec trois potes à moi, on avait fait style reggae. Il y avait le hobic ou pas? Le hobic. Le style hobic. Non, tu l'avais pas ce style-là? C'était voilà. Ah! Tes règles? Non. Mais tu crois vraiment que mes règles atterriraient dans ma bouche? Bah, je connais pas. Je ne juge pas. N'importe quoi, mais vous, j'étais déguisée en pirate! Je te bisou quoi. C'est mes potes à mes 18 ans qui m'avaient fait porter ça. Ah oui, ça c'était encore la soirée de mes 18 ans où on m'a offert un pyjama. Et le lundi qui a suivi mes 18 ans, je suis allée en cours en pyjama, c'était en Paris. Ah ouais. J'ai passé la journée comme ça en cours. Trop drôle. D'ailleurs, je crois que j'ai une photo de moi devant mon lycée dans cette tenue. Ah, ça m'excite. Ah, mais vous! Ouais. Un pari encore, qui n'a jamais fait ça, un bisou entre filles, un bisou entre garçons. Ça c'était juste avant mes études sup. Je trouve que le début était difficile, mais qu'avec le temps tu t'es bien arrangé. Tu vois, tu me croyais pas, je t'avais dit que j'ai eu une puberté dégueulasse. Pas non, pas dégueulasse. Attends, mais j'étais pas non, belle. Non mais ce qui est bien c'est que la vidéo en tout cas elle donne beaucoup d'espoir. À toutes les personnes qui, peut-être jeunes, ne se trouvent pas très jolies. Comme quoi, on peut arriver à quelque chose de potable. Ouais, voilà, bah écoute, si elle peut aider cette vidéo. Comme quoi, les gens, il faut jamais perdre espoir. Jamais. Attends, on en parle de cette épaule quand même. Oh, petite strie. C'est pas mal. Ouais. Elle a ta maligou ou pas? Ouais, on peut dire. Ouais. Y a de l'idée, quoi. Hein. Alerte à Mouloubi. C'est à côté. C'est la version bas de gamme, 10 points. Début de cul, ça dépend des photos quand même. Hein. Ouais. Parce que là, ce genre de photo, ça prouve quand même que bon, rien n'est donné à personne. Hein. T'as bien travaillé. Hein. Si je mets une photo de là et maintenant, ça a rien à voir quoi. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ces petites photos, Biba? T'es pas traumatisée? Non, ça va. J'encaisse. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a appris à se connaître. Mais dans la vie, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette femme vidéo dégueu là? Au secours! Ça va pas dans la tête toi? Mais non! À moi! Toujours! Mais non, mais je t'arrête jamais! T'as vu, on voit trop bien là! T'arrêtes jamais! Le couple, non mais attends, entre un qui se mate et l'autre dégueu à la caméra, on a l'air mignon quoi! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo! Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube! Hey, tous les liens seront dans la description! Dites-vous, n'importe quoi! Et surtout, n'oubliez pas qu'un feed 4 tombe! Toujours sur ses plumes! Pat. On dirait t'as bugué pat. Pat de chat. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. À table. Tu me fais manger maintenant. Oh. Allez.